communication, elle est perfectible, mais elle a le mérite d'exister. Et si j'entends ce que vous dites, parce qu'il faut balayer devant sa porte, je crois qu'on peut se mettre au moins un point d'honneur, c'est que dès le début, avec le directeur général de l'ARS, le préfet ont mis en place une communication quotidienne. Alors, elle ne répond pas forcément, j'entends, et je ne découvre pas le fait que la population ne nous fait pas confiance sur notre communication. Mais pour que cette communication passe, il faut qu'on la véhicule, à partir du moment où on est d'accord sur ce qu'elle contient, il faut qu'on la véhicule tout dans le même sens. Je regarde un peu toutes mes notes. Je n'oublie pas le bateau. Je n'oublie pas le confinement. Ah oui, et je voulais répondre sur le voir autant de monde dehors. Je ne sais plus qui en parlait, je crois que c'est vous, monsieur. On s'est fait la même réflexion avec le préfet, avec le directeur général. Et ce matin, avant de rentrer en cellule de crise, moi j'ai une réunion avec le préfet et on en parlait encore. Je crois qu'à un moment donné, il faut objectiver les choses.